Monsieur le directeur provincial de l'EPST Nord Kivu A. Monsieur l'inspecteur principal provincial Nord Kivu A. Monsieur le directeur provincial du CECOP Nord Kivu A. Mesdames et messieurs les gestionnaires des écoles publiques et privées agréées. Messieurs les représentants de l'association des parents. Messieurs les représentants des syndicats des enseignants, distingués invités, mesdames et messieurs, chers élèves, candidats à la session ordinaire des examens d'État. Il y a environ 20 jours que les épreuves hors session ont été passées. Aujourd'hui, le 30 août 2021, nous nous retrouvons ici à l'Institut Isidore Bakanja pour lancer les épreuves finales en province du Nord Kivu, dénommées session ordinaire de l'examen d'État édition 2021. Avant toute chose, je tiens à remercier tous les intervenants pour la qualité de travail réalisée lors des épreuves hors session. D'une part et d'autre part, les candidats finalistes pour leur détermination d'aller jusqu'au bout des épreuves. Je félicite également les services spécialisés pour la tranquillité observée lors de la passation de ces épreuves qui sont déroulées sans aucun incident sécuritaire. À cet effet, j'invite les intervenants ainsi que les services spécialisés de garder le même élan pour une bonne organisation technique et matérielle de la session ordinaire ainsi que de leur sécurisation au maximum. Toutefois, je tiens à informer l'assistance que pour raison des confinements décrétés par le gouvernement rwandais, le groupe scolaire consulaire congolais fonctionnant à Kigali, en République sœur du Rwanda, n'a pu passer la hors session des examens d'État ainsi que le test de fin d'études primaires TENAFEP en sigle. Les examens en question se passeront au même moment que la présente session ordinaire des examens d'État. Distingués invités, mesdames et messieurs, la présente session de l'examen d'État va se dérouler dans 181 centres sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu, répartis de la manière suivante. Nord Kivu 1, 72 centres, y compris celui de Kigali. Nord Kivu 2, 70 centres. Nord Kivu 3, 39 centres. Pour cette édition, 55 291 candidats finalistes du cycle long général, normal et technique, ainsi que ceux du cycle court professionnel, alignés tous dans 181 centres selon la répartition suivante. La province éducationnelle Nord Kivu 1 avait comme siège Goma, 19 045 candidats. La province éducationnelle Nord Kivu 2 avait comme siège Boutembo 29 980 candidats. La province éducationnelle Nord Kivu 3 avait comme siège Walikale 11 266 candidats. Par ailleurs, les rapports des examens hors session renseignent un taux de déperdition de 6,89% des candidats finalistes avec un accent particulier dans les provinces éducationnelles Nord Kivu 2 et Nord Kivu 3. Cette situation serait due notamment au déplacement forcé des populations, au décès, au manque de moyens de scolarité et aux abandons. Chers finalistes,
Je vous félicite encore une fois pour votre engagement d'aller jusqu'à la fin des épreuves. Je suis persuadé que vous rêvez grand afin d'apporter votre pierre à l'édifice de ce pays. À cet effet, je vous exhorte encore une fois de garder votre sang-froid pour saisir la balle au bon à travers cette dernière phase de l'évaluation qui vous ouvre les portes d'une nouvelle étape de la vie. J'attends de vous les 100% de réussite. Et pour ce faire, il vous plaise de recevoir mes félicitations anticipées. À tous les intervenants dans le centre, je vous rappelle qu'en réitérant ma confiance en vous, vous devez fournir un effort pour mériter, pour le mériter. Distingués invités, mesdames et messieurs, je ne saurais terminer ces mots sans pouvoir rendre hommage au président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son implication personnelle ainsi que de celle du gouvernement qui a permis de sauver cette année scolaire et ainsi permettre aux écoliers et élèves de classe terminale de présenter les épreuves nationales d'évaluation selon un calendrier scolaire réaménagé par le ministère de l'EPST. C'est sur cette note de remerciement que je déclare lancer les épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État édition 2021 en province du Nord Kivu. Bon travail et bonne chance à tous les candidats. Je vous remercie. D'avoir répondu favorablement à notre invitation en participant à la cérémonie de lancement de la 55e session de l'examen d'État qui a été instituée en vue de l'obtention du diplôme sanctionnant la fin des études secondaires en République démocratique du Congo. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce beau cadre de l'Institut Isidore Bakanja, abritant pour la circonstance les centres de lancement officiel de la session ordinaire de l'examen d'État, édition 2021, par son Excellence Monsieur le Gouverneur. Excellence Monsieur le Gouverneur, en dépit de vos multiples charges d'État, vous avez tenu à rehausser de votre présence la cérémonie de ce jour. Ce geste est un signe éloquent qui démontre l'intérêt que vous accordez à notre secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Sans nul doute, cette présence constitue un motif d'assurance et de réconfort pour les finalistes du secondaire, représentant toute la jeunesse de la province éducationnelle du Nord Kivu 1 qui est concernée par la présente session. Participent à cette session de l'examen d'État 19 045 candidats, dont 8 752 filles et 10 293 garçons, répartis dans 72 centres d'examen que comptent les 11 sous-divisions de notre province éducationnelle du Nord Kivu 1. Excellences, Monsieur le Gouverneur, distingués invités, cette occasion nous permet d'apprécier également et à juste titre les efforts conjugués et consentis par toutes les autorités, tant militaires que civiles, sans oublier nos partenaires éducatifs, les différents opérateurs scolaires, ainsi que les parents qui ont concouru, chacun en ce qui les concerne, à la formation de ces jeunes finalistes, futurs cadres de demain. C'est grâce à votre savoir-faire que cette évaluation formative et certificative à caractère national se déroule effectivement dans notre province, en dépit de certaines contraintes liées à la COVID-19 qui secoue le monde entier et qui n'épargne pas notre pays et plus particulièrement notre chère province. Nous continuons à déplorer également les quelques dégâts psychologiques, matériels et même humains dans la ville de Goma et dans les territoires de Nyiragongo des suites de la dernière éruption volcanique. Chers élèves, candidats à l'examen d'État,
L'occasion nous est offerte pour que nous puissions vous encourager. Pendant 4 jours, vous aurez à affronter les différentes épreuves inscrites sur le programme de la présente session. Tout a été mis en œuvre pour que vous travailliez dans de bonnes conditions. L'examen d'État est sans complaisance pour les candidats qui n'ont pas assimilé correctement le programme d'études. Nous croyons que vous vous êtes bien préparé malgré la situation du moment et qu'à ce titre, vous êtes prêt à affronter ces épreuves qui, du reste, ne diffèrent pas notablement des exercices que vous avez toujours résolus en classe. Il est unanimement reconnu que le diplôme d'État que vous allez obtenir va vous ouvrir la voie du monde du travail et sur les études supérieures et universitaires. Nous vous remercions. Pour le reste, nous restons en place. C'est l'autre. Allez vite.
Donc après la caisse, à la queue. Ils ont rassuré que ce sont les cours, les matières que vous avez déjà étudiées pendant l'année. Ok? Soyez calme. Surtout, ne soyez pas traumatisés à notre présence ici. Nous allons partir. Nous allons vous laisser travailler calmement. Et le pays compte beaucoup sur vous. Notre souhait, vous l'avez entendu là-bas, est que vous sortez d'ici 100% sûr. Ok? Encore une fois, bonne chance. Merci. Merci.